Eh bien, salut tout le monde, c'est Swifty, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, nous allons faire Lego Pirates des Caraïbes. Pourquoi Lego Pirates des Caraïbes? Parce que tout d'abord, c'est avec ce jeu que j'ai découvert l'un des plus grands vidéotesteurs du web, peut-être le plus grand. Dis-je le plus grand? Hooper. Donc, je vous donnerai le lien de son site, si hooper.fr. C'est donc grâce à son direct live sur Lego Pirates des Caraïbes que j'ai découvert ce vidéo testeur. Franchement, je le regrette pas. J'ai bien fait. C'est en cherchant des cinématiques du jeu. Voilà, par hasard, je clique sur sa vidéo. Et je tombe sur lui. Impensable, inimaginable. Déjà en regardant l'intro, je me dis, mais c'est un jeu fantastique, j'ai bien fait de choisir ça. Donc c'était le 23 juin 2013, en cherchant les cinématiques de ce jeu, je suis tombé par hasard sur son site. Maintenant je suis inscrit depuis le 1er novembre 2013, et je suis l'actualité vidéoludique depuis un sacré bout de temps maintenant. Aujourd'hui, en ce jour du 20 février 2015, c'est mon anniversaire, certes, mais je voulais justement faire cette vidéo afin de fêter cet événement. Donc, je suis pas vraiment préparé là pour cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire franchement. C'est un bon jeu apparemment, ce Lego Pirates des Caraïbes. Ça peut me plaire, oui. On va commencer tout de suite quand même. Ce sera peut-être mieux. Alors, musique, volume audio, configuration. Donc les commandes, c'est toujours les mêmes que sur PC. Voilà, je joue sur PC. Qualité de texture, je préfère graphisme plutôt, je préfère ne pas qu'il soit bien développé parce que sinon ça risque de laguer un petit peu. Donc j'avais déjà quelques sauvegardes. On y va sur celle-ci. On commence tout de suite. Donc dans ce jeu, il y a deux modes. Il y a le mode histoire, donc pour suivre évidemment les quatre films de la quadrilogie Pirates des Caraïbes. Donc cinématique, celle que je cherchais. Et il y a le mode jeu libre, où cette fois on revit les scènes du film, mais avec les personnages que l'on veut. Donc ici on est en mode histoire, premier niveau, Port-Royal, l'arrivée de Jack Sparrow. Et franchement, il est très bien réussi, le personnage là, il a un très beau skin. Bah, évidemment, vous devez connaître les Lego, remplis d'humour. Comme ici par exemple, où il arrive avec son radeau. Bon, évidemment, je suis pas spécialiste dans les Lego, je vous en ferai peut-être plusieurs des vidéos là-dessus. Je compte bien énoncer tous mes projets dans cette vidéo. Après, j'en parlerai dans une seconde vidéo qui arrivera plus tard, qui sera faite pour cet effet. Mais voilà, j'ai commencé aujourd'hui, je compte bien poursuivre cette idée. Je parlerai peut-être aussi du site. Mais revenons-en au jeu là. Donc Lego Pirates des Caraïbes, sorti en mai 2011. Oui, c'est bizarre quand même que je fasse une vidéo aujourd'hui 2015, 4 ans après. Mais j'avais envie, voilà, c'est...
C'est parce que j'ai découvert Hopper grâce à sa vidéo sur Lego Pirates des Caraïbes, je me répète. Et voilà, c'est... Hopper pour moi fait partie de l'histoire du jeu vidéo, c'est... Et il a une histoire lui-même. Donc je peux pas ne pas en parler. J'étais obligé. Donc Lego Pirates des Caraïbes, ici en mode histoire. Si vous reconnaissez peut-être quelques scènes ou... Scénario du premier film, ici Port-Royal, on est dans la forge, de William Turner. Bon, pour les fans de Pirates des Caraïbes, évidemment, vous connaissez. Pour ceux qui découvrent, je vous conseille de regarder ces films, c'est pas exceptionnel. Mais ça peut être divertissant, voilà. Juste divertissant. Bon, on commence. Alors... pour prendre le contrôle d'un autre personnage, appuyez sur U. Oui, évidemment, les Lego, on peut toujours changer les personnages. Ce qui permet d'avoir... chacun des personnages a une aptitude spéciale. Là, je vois pas trop. Lui, il a un sabre, apparemment. Il faut un marteau, donc on a pas ça. Les pièces ici, bon, je vous fais... Si on est sur le jeu complet, je comprends, mais on va faire que le premier niveau, donc le niveau qui sert à la démo. La démo téléchargeable, je vous donne le lien, voilà, il apparaît. Chez moi, bug, c'est pour ça que j'ai pris le jeu complet. Je compte vous faire peut-être... d'autres vidéos sur ce jeu, rien que là c'est déjà pas mal. Alors ici, ah oui, bon, les Lego évidemment vous connaissez, c'est toujours un jeu de construction, donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs de ces niveaux, mais je m'en rappelle vaguement tellement que j'ai joué à ce jeu. Bon, les pièces du coup, pour l'instant, elles servent à rien. Si vous avez le jeu complet, elles vous serviront à acheter des objets spéciaux et peut-être intéressants. Il y en a certains, ça double votre trésor. Les autres, c'est pour construire plus rapidement. C'est inutile, ça. Alors là, ça c'est marrant quand même. On peut grimper sur les ânes dans les Lego, mais c'est toujours bizarre ces Lego. C'est pas exactement comme dans le film, mais voilà. Ah tiens, notre ami Jack Sparrow, le capitaine Jack Sparrow. Donc les Lego, je disais, c'est pas exactement comme dans le film, mais il fallait raccourcir. Voilà, c'est des cinématiques assez rapides. Globalement, on peut quand même s'y retrouver. Là, voilà, Will Turner qui offense Jack Sparrow. Ils vont devoir se battre dans un duel. Alors, hop, c'est un petit peu mal foutu ce système de combat là. Mais bon, on va se démerder. Ouais. D'habitude, toujours la construction. Là, on construit un mur qui va donc permettre d'aller rejoindre Jack Sparrow. Pardon, le capitaine Jack Sparrow. Oh. On est assez assisté quand même. Ouais. Au moins, on ne tombe pas de la planche. Hop. Tu vas venir ici, toi. Voilà. Ouais, voilà, ça c'est pas mal quand même. C'est un petit peu trop facile, les duels. Ah tiens, il y a une... Mais ça, c'est un des objets qui sont cachés partout dans le jeu. Ce sont des objets secrets, vous les récupérez. Bon, ici c'est une bouteille, ça va nous permettre de débloquer
des mini-kits, je crois, donc des mini-bateaux, ça servira que dans le jeu, c'est tout, se faire des batailles navales. Mais il faut les collectionner, c'est des objets importants quand même. Comme tout à l'heure, on aura aussi la boussole du capitaine Jack Sparrow pour trouver des objets cachés et enterrés. Donc, il faut revivre le film, mais en même temps récolter les objets cachés. C'est du Lego, c'est une idée des Lego. En même temps, c'est plus intéressant. Donc là... La cinématique est bien faite quand même. Ah oui, tellement énorme ça. Oui, oui, bien sûr. Quel doué. Ah oui, comme dans le film. Ils enlèvent la fille Elizabeth Swann avec la petite, le petit médaillon. Concernant le film, j'ai pas trop envie de vous en parler, c'est sorti en 2003 le premier film, la suite 2006-2007, et puis plus récemment le quatrième film, en 2011, La Fontaine de Jouvence, ce qui permettra à la société d'entamer une seconde trilogie. Alors, on va recommencer. Faut libérer Jack Sparrow, là on a une espèce de chien. Il veut un os. On va chercher. C'est par là. Ce niveau est vraiment facile. On est vraiment aidé. On cherche l'os mais on n'a pas vraiment à chercher, il suffit d'aller là-bas et puis... Ça arrive tout seul. On va ouvrir cette cage quand même. Maintiens la roue, on va déclencher. Oui, voilà. Le chien passe ici. On va prendre cette planche. Et comme dans le film, le contrepoids. Concernant les jeux Lego, je vous en ferai d'autres si ça vous intéresse. Bon, après, je suis pas. Je ferai que des démos, forcément. Ah, tiens, une cellule qui brille. Faudra un personnage spécial pour casser ça. Je connais pas. Les jeux Lego, je vous en ferai, mais. Je suis pas non plus un spécialiste là-dedans. Si vous voulez voir du Lego. Du Let's Play Lego. Vraiment une découverte du jeu. Dans son intégralité, je vous conseille de regarder un youtubeur assez connu quand même, Ludovic Laft, donc vous cliquez là sur le lien que je vous donne. C'est un mec qui fait du let's play sur les jeux Lego. Pas seulement sur les jeux Lego, mais principalement oui, sur les licences Lego. Si ça peut vous aider parfois. C'est juste pour ceux qui sont intéressés. Donc on peut exploser toutes les caisses ici. Plein de pièces à récupérer. Dans la démo, c'est inutile. Un tonneau. Bah, y a un tonneau ici. Ce qui est marrant avec les tonneaux, c'est que voilà, on peut écraser les personnages avec. Même dans les séquences de gameplay, on a beaucoup d'humour. Ah, petit combat, c'est facile quand même, c'est assez simple. Il suffit d'un coup pour exploser les ennemis. Tout à l'heure, Jack Sparrow, on le combattait en duel. Ici, c'est plus simple, franchement. Alors là, on utilise la boussole pour trouver un objet caché.
On va le déterrer et ça va nous aider dans notre poursuite. Qu'est-ce qu'il faut lui ? Ah oui, on l'a libéré des soldats. Alors les soldats, voilà, on les explose. C'est trop facile. En plus, ils sont en pièces maintenant. Alors là, on construit un petit bateau, 1 sur 5. Alors il y a 5 bateaux comme ça en Lego à construire. Ici, on a un objet. Ça y est, ça marche. On prend le chien, on déterre ça. On prend un personnage. On va le construire, on grimpe dessus et puis on va le chercher. L'objet caché. Qui est pas tellement caché. Ici aussi, on est un petit peu aidé quand même. On fait retomber directement sur le poteau. C'est magnifique quand même, les graphismes là c'est tellement... Ah oui, les algues il faut pas les dépasser. Si on les dépasse, petite surprise nous attend. Ouais voilà. Donc c'est pas un mur invisible ces algues, c'est juste un petit requin qui sort de l'eau et qui nous bouffe. Alors des fois l'eau peut faire 2 cm de profondeur, il y aura quand même un requin qui va sortir, ça c'est énorme. Il n'y a pas de drapeau rouge qui nous dit que c'est interdit de nous baigner en plus. Alors on va tout en haut de ce palmier. On va chercher un drapeau. Là, vous avez eu tout à l'heure sûrement dans le... à la sortie de la prison, on avait déployé un drapeau bleu. Si on en déploie encore 2 autres, on récupère une bouteille. Alors Jack Sparrow il est paumé là-bas. On y revient. Encore un drapeau. Je sais où sont les autres. J'ai envie de vous parler du site maintenant. Vous avez sûrement remarqué qu'on a plein de projets qui sont en cours. Hein. On a un topic là-dessus. Hein. On a plein de projets, mais... les projets ne vont pas arriver comme ça tout de suite, mars en avril, hein. Il y en a certains qui vont peut-être arriver l'année prochaine, c'est tout. Ils sont pas tous là. Ah ouais, et Jack Sparrow, t'es magnifique avec ce chapeau. La coquille du Bernard l'Ermite. Ah zut Donc oui, le site, vous en parlez. C'est dur de parler et de se concentrer, c'est parce que c'est presque chiant. J'ai du mal moi quand même, c'est ma première vidéo officielle. J'ai du mal à parler d'autre chose que du jeu. Oh, on peut les décapiter. Ah ça les Lego, c'est toujours aussi marrant. Et je commence à prendre plaisir sur ces Lego. C'était qu'une découverte il y a quelques mois, mais là je commence à le prendre plaisir. Oui, il va nous énerver là-haut. Je vais peut-être... Ah merde. On va lui balancer une hache, lui. Non, je peux pas. Il va nous faire chier en plus. Il est en train de... Oh non, mais touche pas au capitaine. Là, là, il faut viser. Voilà. Et bim. Dans ta gueule. Bon. Donc le site, je vous parlais du site, donc les nouveautés, oui. Alors bah, les vidéos déjà, voilà, c'est ma première vidéo officielle. Je ferai pas des vidéos tout seul non plus. Hein. Mon cher webmaster Xamer, que vous connaissez bien, mais qui est jamais là quand il y a des problèmes. On a décidé de faire des vidéos parfois ensemble. Hein, on fera... des vidéos sur nos jeux préférés, mais bon, on essaiera quand même de vous présenter quand même certains jeux. Puis moi je m'intéresse aussi assez au rétro gaming, moi je trouve que c'est bien aussi, c'est pour ça que je vous ferai quand même un petit peu de rétro, peut-être seul, mais je en ferai. Donc, voilà, une bouteille de plus, ça nous en fait 4. On peut pas toutes les avoir dans...
dans le mode histoire, c'est pour ça qu'il y a un mode jeu libre, c'est parce que avec les personnages qu'on veut, avec leurs aptitudes, comme tout à l'heure dans la prison avec la grille scintillante, il faudra un personnage avec une grenade ou alors un fusil assez costaud, voilà. Pour ouvrir la grille, ça donnera sur une zone impossible à parvenir en mode histoire. Il faudra aller en jeu libre pour y aller et récupérer les objets cachés. Je suis en train de me perdre là, je suis en train de parler de tout en même temps, du jeu et en même temps du site. Alors le site, hop, ah, le tonneau quand vous êtes caché, ça peut servir à feinter ça. C'est pas énorme, mais voilà. C'est toujours utile. Donc le site. Je suis en train de me perdre moi dans tout ce que je dis là, le site. Donc vous avez peut-être eu vent de... des annonces que j'ai mis sur le site, donc le serveur Minecraft d'abord. Oui, Minecraft que je connais depuis quelques mois, oui, octobre 2014. C'est, le pire c'est que avant je m'en foutais complètement, maintenant je suis à fond dedans. Ah, c'est fini. Le serveur Minecraft, donc il est en cours de construction, je le fais tout seul. C'est, je suis en train de bien galérer depuis plusieurs semaines. Mais voilà, je suis obligé de le construire, c'est pour vous que je fais ça. On avait décidé qu'on ferait d'abord une map en solo pour que vous découvriez un petit peu ce que nous avons fait, ce que j'ai fait. Les idées ne sont pas toutes de moi, j'ai fait la construction. Je suis pas architecte spécialisé comme je le dis très souvent à tout le monde. Mais voilà, je fais ça pour vous et au lieu qu'on ait la map en solo, on l'aura d'abord en multi. Voilà, comme ça vous pourrez profiter directement de la map en multi avec les autres joueurs. Donc, alors voilà, dans ce jeu-là, débloqué, oui, il y a plusieurs films. Je vous fais seulement le niveau de la démo, pas plus loin. Donc, il y a plusieurs objets à collectionner dans ce jeu. Comme par exemple les personnages que vous voyez là. D'ailleurs, on fait l'inventaire. Ici, le titre de véritable pirate, c'est... Je ne l'ai pas parce que je n'ai pas récolté 100% du trésor. Voilà le trésor, là. J'ai pas assez d'or, d'après les calculs. Donc je suis pas véritable pirate. On gagne une bouteille avec ça. Les objets de la boussole, très important aussi. Donc en jeu libre, il faudra revenir là-dessus. Les mini-kits, donc c'est les bouteilles. Dans chaque bouteille, il y a quelques pièces d'un bateau à reconstituer. Et les briques dorées qui sont un petit peu les trophées du jeu. Donc, voilà, c'est fini. J'ai l'impression que c'était très court, mais en même temps, quand on s'y connaît, évidemment. De quoi je voulais vous parler aussi. Ben voilà, je crois que j'ai résumé sur le site, sur le jeu, les vidéos. On fera quelques lives aussi avec Tsemer. C'est aussi une idée. Pour des événements assez spéciaux, par exemple le serveur Minecraft, on fera quelques vidéos là-dessus pour vous présenter. Et vous serez là, j'espère. Venez nombreux. Enfin, cette intro, je me tais à chaque fois que je la vois. Et ça donne envie de jouer, franchement, je regrette pas de prendre le jeu complet là. Attends, c'est bien pour ça que je l'ai pris. Ça commence à bien me plaire ça, les Lego, c'est à la fois marrant et c'est plein d'aventures, moi j'aime bien. C'est magnifique graphisme, musique, on a vraiment l'impression d'y être, mais juste en mode brique, voilà. En mode Lego. Tiens, voilà le quatrième film en plus. Bon, sinon, pour en revenir aux vidéos, je sais que c'est le bordel dans ce que je dis. J'espère citer tout ce que je voulais dire quand même. On fera donc du Lego, ben je ferai du Lego parce que je doute que ça intéresse mon cher webmaster. On essayera quand même ensemble quelques démos. On fera du Slender parce que voilà, c'est des jeux d'horreur comme ça, c'est assez marrant. Quoi. Ça me fait pas vraiment peur. C'est surprenant, c'est du Counter-Strike, du Counter-Strike Source parce que
c'est facile, c'est des jeux de tir comme ça. Également GTA V, qui sortira récemment le 24 mars. Je le prendrai le plus tôt possible. On fera aussi du Minecraft, évidemment. Et peut-être également... Ah, je sais plus. Bon, on joue. Je résumerai tout ça dans une autre vidéo. Faut pas trop parler. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous salue. A plus, tout le monde. Ha 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 ha!